from Thornhill. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais parler un petit peu au discours de trône de cette semaine. Vraiment, on a une chose que j'ai jamais entendue cette semaine discuter ici aux législatures, c'est la discussion d'une université seulement francophone. Et je pense que, merci Madame. Je pense que c'est difficile. C'est difficile pour tous les assemblées francophones aux provinces d'Ontario, les Ontariens et les Ontariennes qui attendent cette une annonce bientôt, et ils ont pensé que peut-être le rêve sera mentionné un peu au discours du trône de cette semaine. Mais tant pis, on n'a rien entendu cette semaine ou cette discussion. On a parlé au sujet des garderies des enfants, mais la discussion, c'est d'avoir des places pour nous ontariens et ontariennes, mais seulement en 2015. Mais on a besoin des places peut-être plus tôt que ça. Pourquoi après une prochaine élection? Ce n'est pas juste. Maintenant, on a une crise d'électricité, mais on a entendu seulement du gouvernement que c'est une crise après la bi-élection que M. Raymond Cha a recevoir seulement la semaine passée à Scarborough Rouge River. On l'appelle maintenant Scarborough Bleu Rivière. Et maintenant, c'est une crise parce qu'ils ont perdu une circonscription qui était très libérale avant de 7 mois maintenant. Alors, on a une crise d'électricité, c'est une vraie crise pour beaucoup de familles en Ontario, et j'aimerais entendre ce qu'on peut faire pour toutes ces familles. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Questions and comments. I recognize the member.